Yo les Duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très chill. J'ai reçu mes displays commandés chez mon fournisseur Duelist Légendaire Tempête Synchro, ça doit être LED8. Et je me suis dit, vu que j'ai pas eu l'occasion de faire l'ouverture encore, et puis qu'il y a quand même la baronesse qui m'intéresse à l'intérieur, je vais en récupérer deux plutôt que de les ouvrir en vrac, et je vais les ouvrir avec vous en vidéo pour déjà découvrir l'extension ensemble, parler de quelques cartes. Il y a du support Lyrilus, il y a du support Speedroid, voir tout ça ensemble. Et puis bah voilà, c'est toujours cool de faire une petite ouverture, qui plus est quand j'ai deux displays. Donc voilà, en fait la vidéo est pas préparée, j'ai reçu les displays, je me suis dit bah vas-y je vais faire une petite ouverture et puis bah on verra bien ce que ça donne. En ce moment je fais pas mal d'ouvertures, de contenu que je considère moins intéressant. C'est vrai que des fois j'essaye de me concentrer, enfin souvent j'essaie de me concentrer sur des vidéos qui apportent des choses à la commu. Là en ce moment j'ai moins le temps, donc je me dis voilà, ce genre de petites vidéos c'est chill, ça fait toujours plaisir. Et puis bah voilà, vous êtes là, je suis là, ça me permet de partager un petit moment ensemble et c'est un peu l'idée. Si ça vous plaît, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement et let's go, on se prend pas plus la tête, on part directement sur l'ouverture. Bon, on se retrouve sur ce deuxième plan vidéo. J'ai pris mon petit tapis Crystal Wing parce que je sais qu'à l'intérieur il y a des Stardust et compagnie, enfin je sais plus exactement mais je crois, enfin quand on voit le boss monster ici je me suis dit vas-y ça se ressemble, ça sera joli pour vous à la caméra. Donc je vais juste ouvrir les papiers et on fait un petit point sur le visuel des displays grosso modo. Ici on retrouve Tempête de combat, première édition, Duelist Légendaire Tempête Synchro. C'est évidemment une boîte de 36 boosters et bien tout simplement 5 cartes par boîte et une carte rare dans chaque pack tout simplement. Et bah écoutez, on va commencer à ouvrir la première display, on verra pour la deuxième par la suite. J'attends rien de particulier, en vrai, on verra bien ce qui tombe et puis ce qu'il en est. Grand guerrier d'assaut de la poussière, de poussière d'étoile. Donc c'est vrai que c'est du support, enfin c'est du support, c'est des cartes qui existent déjà depuis longtemps, mais en commune, on a eu du support avec Dama, ça fait toujours plaisir. On a vu quand même pas mal de fanboys récupérer ça, donc c'est plutôt une bonne chose. Drift rapide, qui est une carte pour les synchroniseurs. Z-Zone, qui est une carte pour... bien, tout simplement, si cette carte est posée et détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie continue ou une magie de terrain sur le cimetière, dans votre cimetière et récupérez-la. Pourquoi pas. Jeanne, le Chevalier Noble. Et derrière, on a Dilemme Synchro, qui est une carte qui nous permet tout simplement envoyer un monstre synchroniseur depuis votre main ou terrain face recto au cimetière et invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas forcément très convaincu là tout de suite, mais pourquoi pas. Hérisson à Boulon... Guerrier de la poussière d'étoile, qui est vraiment BG. Double yo-yo vitesse-roïde, qui est une bonne carte. Chien de meute ultra vitesse-roïde, donc c'est la première super que l'on a. Donc on a soit des rares, soit rares ultra, voilà, c'est rare super. Ou du coup je suppose rare ultra. Donc c'est une magie vitesse-roïde, tu peux envoyer une magie vitesse-roïde depuis ton deck au cimetière lorsqu'il est invoqué normalement, donc ça permet de turbo. Durant la main phase, tu peux bannir cette carte depuis le cimetière, invoquer un vitesse-roïde depuis le cimetière, puis mélanger le deck. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre synchro vitesse-roïde du même niveau que le monstre envoyé de nom différent depuis votre extra deck, mais annulez ses effets. Ok, pourquoi pas, ça peut permettre de turbo des trucs. Et derrière, on a la nouvelle Lyrillusque, le Canari de Beryl. Alors j'avoue que je vais lire les cartes au début et puis il y a un moment où on les aura passées, donc forcément on va pas trop s'attarder dessus. Marianne, inconnu synchronique, le Lyrillusque, vitesse turbo qui était une ultra de ROTD je crois, et Lyrillusque Plume de Fantôme qui est une piège normale, donc voilà, à voir ce que ça donne tout simplement. Guerrier de Ruée, Fleur d'écho qui est une bonne carte mine de rien pour les decks plantes. Duc Denden, Deiko, vitesse roïde, encore la Marianne, et derrière on a Fleur Synchronique qui est un reprint plutôt sympa on va dire. Dragon Laternade qui est un bon reprint, c'est une X64 qui pète une magie piège sur le terrain en effet rapide, ça reste intéressant, c'est générique, ça passe dans tout, de la synchro, donc le champ barra grande vitesse roïde qui est toujours intéressant. Dès à l'œil qui est une carte qui se vendait assez cher avant, donc c'est une bonne chose qu'il les reprint. Drago Synchro de l'Aile Claire, ok. Stylé. En vrai, stylé, on l'avait déjà depuis longtemps, mais il est quand même assez stylé. Et le petit rossignol assemblé que l'on avait déjà. Sorcière des fleurs. Alors, je suppose que ça va avec la baronesse. Moi, c'est vraiment la baronesse qui m'intéresse dans cette display-là. Donc, voilà, Sorcière des fleurs. Guerrier de ruée. Lyrillusque Fauvette turquoise. Encore. Et un oiseau totem. Encore. Bah, écoutez, on l'a eu deux fois de suite. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas, à mon avis, vous allez le récupérer assez facilement. Ce qui risque de vous faire quand même pas mal plaisir, mais à voir. Explorateur synchronique, moineau de cobalt, fauvette de turquoise. Oh, une petite ultra avec un nom. Putain, mais le nom est incroyablement long. Motocycle L claire grande vitesse roïde. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. C'est un monstre niveau 11 du coup, et c'est une machine, un non-synthoniseur vent et un non-synthoniseur vent. Et derrière, on a Fanion de la Révolution. Ok. Très bien, première ultra de cette ouverture. J'avoue que moi, ce qui m'intéresse, ça va principalement être la baronesse. Cette zone, on l'a déjà vu. Ça, on l'a pas encore vu, mais c'est une carte intéressante. Une magie pour vitesse roïde et le petit virus, c'est vraiment de la baronesse. Mais après, le super vitesse roïde, c'est un deck qui a déjà fait du résultat dans le temps. Enfin, c'était utilisé en tout cas. Donc en vrai, pourquoi pas. Plume de Guldros, récupération et Dilemme Synchro que l'on a déjà eu. Sorcière des fleurs, Dragon Laternade. Le Terrortrope, Guerrier Poussière et le petit Lyrillusque Plume de Fantôme. Alors, la petite, il y a un, je sais pas pourquoi, X61, je sais pas pourquoi je bloque dessus, Plume de Guldos, le Dès à l'œil, la Fleur Néclo et Chevalier de fleurs, qui est une vieille synchro qui nécessite Fleur Synchronique et un monstre non synchronisé. Tac, je crois qu'il y a une carte qui remplace Fleur Synchronique justement dans cet article-là. En vrai, pourquoi pas. La machine à bulles, le chambra, le vitesse roïde. Et ah, on a du support, enfin du support, des cartes en rare pour vitesse roïde. C'est probablement un reprint d'abord. Je suis pas certain des cartes vitesse roïde, j'avoue, je connais pas très bien. Mais il me semble que ça, c'est un reprint, plus qu'une nouvelle carte. Plume, assaut, machine, hérisson à boulon. Et la fleur synchronique dont je vous parlais juste avant pour la carte fleur, guerrière de fleurs ou un truc du genre. Hop, attention. On bouge un petit peu, le Terrortrope, Plume, Inconnu, Fauvette et Lyrilus. Et dis donc, on a beaucoup de boosters, mais où sont les cartes intéressantes? Guerrier, Fleur, Lyrilus, qui vive la liberté. Dis donc, alors ça, celle-là, elle est tombée deux fois en une seule dispo. C'est pas mal, je crois qu'on a ouvert à peu près la moitié de la dispo. Guerrier, Chambara, vive la liberté. Alors, Fleuret de fleurs. Activez cette carte en ciblant un monstre de max niveau 2 puis au cimetière. Bloquez-le spécialement, mais annulez ses effets et aussi équipez-lui cette carte. Lorsque cette carte est équipée par cet effet, quitte le terrain. Détruisez le monstre. Le monstre équipé gagne 600 d'attaque. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez équiper cette carte à un monstre synchro que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas... Ok, pourquoi pas, en soi. Ça permet de gérer des... Donner un boost d'attaque qui va se rééquiper tout seul, pourquoi pas. Hop, le chevalier de fleurs. C'était bien le chevalier de fleurs. Ah! La grive de promenade. Donc c'est à nouveau un monstre level 1. Gagne 500 d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel. Cibler une magie piège contre pas d'adversaire. Mélangez-la dans le deck, ça c'est fort. Au début de la damage step, si un autre monstre que vous contrôlez combat, vous pouvez détacher un nombre de matériel de votre choix. Et le monstre va gagner 300 d'attaque pour chaque carte. Ok, pourquoi pas. En vrai, je ne me rends pas compte de ce que ça peut donner, mais Lyrilus reçoit quand même pas mal de support, et notamment Appel d'oiseau, qui est, je pense, une carte très intéressante. Prenez un Lyrilus depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Lyrilus de nom différent depuis votre main. C'est intéressant, ça tuto ou foolish, et bien simplement, ça permet également de spé un autre monstre de ta main, donc éventuellement de turbo, une synchro sur le terrain, et ben, on enchaîne tout simplement avec les Lyrilus. C'est 2 plus monstre de niveau 1, gagne 500 d'attaque pour chaque monstre qui lui est attaché. Si votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres durant la damage step, vous pouvez détacher un matériel, puis cibler un monstre invoqué spécialement, renvoyer à la main. Ça c'est chiant, enfin c'est fort du coup. Et cette carte est en votre possession, est envoyée au cimetière par un effet de carte de l'adversaire. Vous pouvez cibler un monstre Lyrilus dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ok, ça fait du recyclage, en plus c'est vraiment pas mal. Disons qu'on avait pas mal de Lyrilus dans ce booster là, tout simplement. Et j'arrive pas à me rendre compte si Lyrilus va vraiment devenir plus fort que ce qu'il est actuellement. Enfin, c'est surtout utilisé, c'était utilisé il y a quelques temps avec les pots de prospérité, etc. Mais en vrai, là, le support, il a l'air quand même assez intéressant à voir ce que ça donne. Alors, on a tireur de bouchon grande vitesse roïde. Donc, c'est clairement un sniper, hein, tout simplement. C'est une machine synchro synchroniseur. Ok, pourquoi pas, niveau 3. Si cette carte est invoquée par synchronisation, tu peux activer un de ses effets. Tu tuto 1, une magie piège vitesse roïde depuis le deck. Si tous les matériels qui ont été utilisés par l'invocation sur les cours de cette carte étaient des monstres vitesse roïde et qu'ils sont tous dans votre cimetière, invoquez-les tous spécialement. Oh, c'est fort sa mère. Tu tuto et... Alors, attends, tu peux faire les effets, vous pouvez activer un... Ok, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, a priori... non, tu vois, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, tu actives soit le premier, soit le deuxième. Mais en vrai, c'est super fort. Tu t'imagines, tu fais... synchro 3, du coup tu peux reborn et faire une synchro 6, c'est quand même assez fort, sachant qu'il y a peut-être des vitesses roïdes qui se modulent ou qui sont pas des hard ones par turn et qui du coup permettent de refaire des effets, etc. En vrai ça a l'air intéressant. Tac. Bon, pour l'instant il y a beaucoup de boosters qui sont des boosters moins intéressants à vous montrer, on va dire. Alors on a roue vitesse roïde. Défaussez une carte, lancez un dé à 6 faces, puis invoquez spécialement depuis votre main ou deck un ou deux monstres vitesse-roïdes dont le niveau total est égal au résultat. Mais annulez les effets. Si vous n'invoquez pas spécialement, vous pouvez perdre des life points x 500. Ah ouais, ok. T'as un côté cool, mais t'as un côté où tu peux prendre une petite calotte quand même. Hop, on a la piège vitesse-roïde. Alors je ne vous l'ai pas encore lu. Tu peux bannir un vent depuis ton cimetière, puis cibler un monstre contrôlé par ton adversaire. Tu le renvoies à la main. Sachant que c'est pas une counter trap. Durant votre main phase, cette carte est envoyée et dans votre cimetière, tu peux cibler un monstre vitesse-roïde de minimum niveau 2 que vous contrôlez, réduisez son niveau de 1, et si vous faites invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal de niveau 1, 0, 0, elle n'est pas traitée comme un piège. Donc la règle par rapport aux cartes qui sont utilisées sur Eldritch, à voir comment elles s'appliquent, et tu peux l'utiliser qu'une seule fois par tour. C'est intéressant, en vrai, parce que tu peux éventuellement la foolish peut-être pour rosper un token sur le terrain. Et on continue avec les cartes Lyrillusque, Sanctuaire d'oiseau, qui est une magie continue, possible si deux monstres bêtes ailés que vous contrôlez, attachez un de ces monstres à l'autre comme matériel. Ok, donc 2x6, tu attaches l'un à l'autre, donc tu transfères tous les matos. Ok. Si vous contrôlez un monstre X avec minimum 3 matériels, vous pouvez piocher une carte. Ok, ça marche, c'est super fort. Et c'est une magie continue, donc ça veut dire que je suppose que c'est tous les tours. Du coup, donc ça reste très fort, on va pas se mentir. Hop, on enchaîne. Bon, on n'a pas vu de baronesse pour l'instant. Hein. On espère peut-être sur la deuxième display, à voir. Ah, oh oh oh! Que dis-je? Que dis-je? La baronne de fleurs, mais la voici. Oh, je suis trop content. Une fois par tour, tu peux cibler un monstre sur le terrain, tu peux le détruire. Une fois par tour, tant que cette carte est face recto, lorsque votre adversaire active, lorsqu'une carte ou un effet activé, effet rapide, tu peux annuler la situation, et si tu le fais, tu détruis la carte. Vous ne pouvez, donc c'est en gros Savage Borel, mais sans le fait d'avoir obligatoirement un matériel, et en plus, tu détruis cette fois, parce que Savage annule juste. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre de niveau 9 depuis votre cimetière, tu renvoies cette carte à l'extra et tu peux reborn le monstre. Je suis trop content de l'avoir fait tomber. Première display que j'ouvre, donc c'est pas une bonne nouvelle. Si on en fait tomber plus, bah écoutez, ça sera avec grand plaisir, mais là en tout cas, on l'a fait tomber. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tiens, on avait des cartes qu'on n'avait pas encore vues. Étalon blanc des chevaliers floraux et le petit Lyrilus. Et avant-dernier boucard de cette première display. Peut-être que la vidéo sera un peu longue, mais en vrai j'avais envie de faire une petite vidéo de chill et puis partager tout ça avec vous. Je suis content d'avoir 2 displays à ouvrir tout simplement, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste mettre les ultras de côté de cette première display. Tac, une... Je me rends pas compte comment on en a eu. 2, 3, 4, 5. Nous en avons eu 5. 5 ultras dans la première. Et dont la petite baronesse qui nous intéressait particulièrement. Deuxième display du coup. Alors j'avoue que là je vais peut-être rush un peu plus, déjà parce qu'on aura vu une grosse partie des cartes, et puis parce que ce qui nous intéresse, c'est du coup de voir si on peut faire tomber d'autres cartes intéressantes que l'on n'a pas encore eues. Je sais par exemple qu'il y a une sorte de petite plante target à Mars. Ah, tout simplement Alkifibrax, qui est intéressante parce qu'elle module le niveau quand elle arrive, etc. Donc ça peut être intéressant pour des turbos en règle générale. Sauge de fleurs, c'est un magicien level 8. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez, une carte sur le terrain, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, puis si vous le faites, détruisez-les. Ok, pourquoi pas. Si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière, mélangez-le dans le deck, puis ajouter un monstre plante de niveau 1 depuis votre deck au cimetière. Ok, c'est une sorte de tuto chelou. Une sorte de tuto chelou qui permet de clean des cartes sur le terrain. 8, ça permet de faire des synchros. Ok, pourquoi pas. J'ai un booster qui m'a collé à la main, c'est chelou. Oh, je l'ai pris à l'envers. Tac, on enchaîne comme d'habitude. Nous enchaînons, vous enchaînâmes. Tac. Ce sera plus simple de faire comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression... J'ai pas de souvenir que c'était comme ça les boosters d'habitude. C'était soit une rare, soit une super candy. Très content de faire contact. On avait déjà eu une première fois, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais les boosters n'étaient pas forcément sous ce format-là habituellement. D'habitude, on avait un peu plus de rareté de mémoire. C'est-à-dire que on avait des super. Je crois que c'était rare ou super. Après, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait tomber. Ça fait longtemps que j'avais pas ouvert de cette non principale, on va dire. Donc peut-être que c'est juste que je suis paumé, mais dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'est comme une... Tac. Hop, lui, on l'a déjà fait tomber une première fois. Talon blanc des chevaliers floraux. Ah, une nouvelle Lyrillusque. Elles sont toutes en ultra. Le deck, s'il est méta, comment il va coûter cher? C'est des ultras. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez cibler une magie piège Lyrilus dans votre deck. Ajoutez spécialement une magie piège Lyrilus depuis la date avec main. Cette carte est envoyée au cimetière. Tu peux cibler un monstre X Lyrilus que vous contrôlez. Tu lui attaches cette carte comme matériel et tu peux l'utiliser chaque effet qu'une fois par tour. En vrai, c'est fort hein, parce que tu l'as spé, puis tu tuto. Sachant qu'on a vu que les magies elles-mêmes permettaient de tuto et éventuellement de reborn des cartes, etc. En vrai, c'est quand même pas mal du tout. Ah, mais deuxième appel de l'oiseau. En vrai, j'ai l'impression que c'est que des ultra Lyrilus quasiment. C'est ouf, non? Hop, le petit... Oh, lui, on l'a fait tomber deux fois au début et après, on l'a plus vu du tout. C'est ouf. Ah, les ultras, j'ai l'impression, elles sont stackées. Tu sais, genre, on en a deux ou trois de suite et après, on en a plus. Ça fait super bizarre. Les boosters s'ouvrent super mal. Ah, joueur de flûte, Fukimodoshi, vitesse roïde. Cette carte invoquée normalement spécialement, tu peux dévoiler un nombre de cartes au-dessus de ton deck égal au nombre de monstres vents que vous contrôlez. Ajoutez une carte dévoilée et aussi placer les cartes au-dessus de dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre vent de niveau 3 que vous contrôlez, résulter son niveau de 2, et tu ne peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ok, bah en vrai, pourquoi pas. Permet de révéler, c'est un prospérité gratuit, pourquoi pas. Ça reste assez intéressant. J'ai des boosters partout. J'espère que ça se verra pas trop à la caméra. Parce que c'est le bordel sur mon bureau. Incroyable. En même temps, 72 boosters. Donc forcément, il y a un moment où il y a un peu de bazar, on va dire. Bon, petite baronesse qui fait plaisir. C'était vraiment l'objectif. C'était vraiment la carte que je voulais. Je sais pas si je vais m'en servir tout de suite. Mais ça reste une carte qui est forte, en fait. Putain, c'est pas du tout ce que je voulais. Quand je vous dis que c'était le bordel, c'est que là, il y a des cartes partout. Enfin, des boosters partout. Et du coup, j'ai l'impression de taper dedans. Hop, je vais juste mettre les communes ici. Comme ça, on repart sur une base saine de place. Voilà, tout simplement, c'est une base saine de place. Hop. Tac. Et ici, nous avions nos ultras. Et on enlève les communes qui étaient venues se glisser dessus. Tac, on reprend. Du coup, c'est 5 ultras par boîte. J'ai l'impression que c'est ça. Pourquoi pas? Là, on en a eu une, deux, trois. On en a eu 3 et 5 dans la première. C'est ça? Ouais, c'est ça. Normalement, il nous en reste au moins 2, du coup. On a le fleuret de fleurs que l'on avait déjà eu dans la première saison. J'ai pas compté combien on avait eu de super. J'ai l'impression que les super, il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui sont tombés. Du moins, on a eu 2 fois le synchro, mais j'ai l'impression que c'était pas incroyable. On a roue vitesse roïde à nouveau. Et bien décidément, là on n'aura pas eu un max d'ultra, à moins qu'elles arrivent vers la fin. Mais les ultras, elles n'étaient pas ultra présentes sur cette deuxième display. J'ai bien l'impression. Il n'y a pas eu non plus de... Je crois qu'il y a des collecteurs rares dans cette extension. Pas eu de collecteurs rares non plus. C'est un set non principal. Ah ben on retrouve ça. Ah mais vu que c'est du LED, peut-être qu'il n'y a pas de... C'est pas, tu sais, c'est pas un set non principal. Je crois que c'est un truc à part. Enfin, je sais jamais comment ça fonctionne trop. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Ah bah, c'est exactement de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Cette petite plante-là, donc là, on a eu nos 5 ultras, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Et Nécrosynchronique, c'est une carte intéressante, en vrai. Hop, le macro doit être bon. C'est une machine syntoniseur effet dark. C'est plutôt intéressant. Durant le calcul, le nom de cette carte devient Fleur Synchronique tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Tu peux utiliser chacun des effets de Nécro qu'une fois par tour. Tu peux cibler un autre monstre face recto et tu peux augmenter son niveau de 2. Si cette carte est envoyée au cimetière comme un matériel synchro pour un monstre vent, tu peux invoquer spécialement un plante depuis ton deck. Donc ça reste plutôt fort. Et en vrai, moi ça me fait vachement penser à... tu peux turbo un synchro 6 ou un synchro 8, ça en fonction de ce que tu as sur le terrain. Genre tu as un level 4, tu spé L, tu augmentes de 2 et du coup tu as directement un synchro 8, ce qui est quand même, mine de rien, quand même pas mal fort. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais chercher les super, je sais pas combien on en a eu. Et c'est vrai que j'aimerais bien vous donner l'info, mine de rien. J'ai l'impression qu'on en a pas eu tant que ça, en vrai. Et ça vous donnera au moins une idée de combien il y a de super lorsque vous achetez une display. Du coup, on va diviser le chiffre par 2 pour faire une moyenne. À mon avis, ça sera sensiblement le même, du coup. À part les Lyrillusques et éventuellement les vitesses roïdes, mais j'ai un doute sur le fait que vitesse roïde puisse éventuellement être méta. En vrai, il n'y a pas grand-chose d'incroyable dans cette extension. J'ai l'impression, en tout cas. Je trouve que la fleur synchronique, la nécrosynchronique est très intéressante. La baronesse aussi. Mais à part ça, je suis pas hypé de ouf. Je sais pas comment vous expliquer ça. Peut-être que vous comprendrez pas. Et je m'en excuse. Mais je suis pas non plus trop à fond là-dedans, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a vraiment 15 ? 11, 12, 13, 14, 15. Bon, 15, on va se dire 7, 8 par boîte. Et puis on a eu quand même plusieurs fois les mêmes ultras. Tac, tac, qu'on a eu 2 fois. On a eu le canon qu'on a également eu 2 fois. Et après, le reste, c'est que des fois 1. Notamment la petite baronesse qui était vraiment la carte qui nous intéressait. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'était vraiment très chill. C'est vrai que je suis passé rapidement sur pas mal de boosters. J'étais assez surpris par les ratios de rareté dans certains boosters. Mais dites-moi si ce que vous en pensez. Voilà, quelle idée vous en avez eu, si vous avez déjà ouvert des boosters, etc. Et si c'est le cas, voilà, votre avis, globalement. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous avez eu dans les commentaires. Voilà, je serais vraiment très curieux de savoir ce que vous avez eu et ce que vous attendiez. Moi, j'avoue que le support Speedroid, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais m'intéresse pas mal, mine de rien. De là à faire un deck, je sais pas. Enfin, du moins, un deck qui ira sûrement ici, oui, très probablement. De là à le jouer en main deck, je pense pas. Mais c'est un deck qui, je pense, peut être marrant. Et puis Speedroid a fait quand même des trucs dans le passé, donc pourquoi pas, voilà, le garder de côté, ça peut toujours être intéressant. Je vous en mets pas plus. Prenez soin de vous, fun en duel et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao!